Ça me rend gai, ça me rend tout, je ne sais quoi. Lorsque j'entends ce rythme si bon, dans mon cœur vient comme une chanson. Eh bien, accueillons notre équipe de galochis avec le maire, M. Michel Morel, à venir nous rejoindre. Eh bien, vous êtes bien accompagné. Bonjour. Bonjour à vous. Merci pour votre accueil. Et moi, en premier lieu, ce que je vais faire, donc ce trophée, eh bien, écoutez, je vais le dédier et le remettre aux bénévoles donc, qui ont créé le musée de la Galoche à Val-de-Virieu. Voilà, je vais le remettre. L'association donc, du musée de la Galoche. Alors, quelques mots. Donc, la commune de Val-de-Virieu, c'est la fusion de deux communes en 2019, la commune de Panissage et la commune de Virieu, une commune rurale de 1600 habitants, qui donc, maintenant nous appelons donc, les Valaisiennes et les Valaisiens. Nous sommes situés en Isère. Et donc, nous sommes au milieu donc, de trois villes connues qui sont Lyon, Grenoble et Chambéry. Et donc, nous sommes un village, donc, je l'ai dit, rural. Nous avons toutes les activités, nous avons une gare, nous avons des associations sportives et tous les commerces. Et il y a beaucoup d'animation dans notre village. Et nous avons un patrimoine très important, puisque nous avons beaucoup de maisons dauphinoises et nous avons un château, donc le château de la famille de Virieu qui domine notre village. Ce château donc, est de l'an 1000. Et donc l'équipe que j'ai à côté de moi vient me voir et décide de créer un musée de la Galoche. Alors pourquoi un musée de la Galoche? Parce que la commune de Virieux, historiquement, était la capitale de la Galoche. Il y avait des scieries, il y avait des galochiers. Donc on a commencé à reconstituer un atelier de galochiers. Et donc ils sont venus me voir. Je lui ai dit, bah, écoutez, j'ai pas de local. Donc on dit, bah, on va essayer de trouver quelque chose. Ils se sont débrouillés. On a trouvé, avec l'accord de la famille de Virieu, une annexe du château. Donc aujourd'hui, il y a un musée de la Galoche à Val-de-Virieu. Le sol est unique en France que vous pouvez visiter régulièrement, voire tous les jours, voire avec des groupes et en duo avec la visite du château. Alors, je vais laisser la parole à... Non, pas au Père Noël, à Jean-Pierre, qui va vous expliquer un petit peu ce que vous pourrez voir au musée de la Galoche. Mais il ne faut pas qu'on loupe l'apéro. Hein. Oui, oui. Non. Allez, on y va. Ok. Très bien, très bien. Alors, il y a sans doute parmi vous des gens qui en ont porté des galoches, c'est-à-dire des chaussures
avec des sommettes de bois. Voilà. Et puis, il y a comme dessus qu'on appelle une tige, qui est en cuir. Et vraisemblablement, dans vos familles, vous avez des gens, dans vos aïeux, qui ont porté ce genre de chaussures. Pendant la guerre, ça en est fabriqué 40 millions de paires. Et nous avons monté un musée. Et en fait, nous avons recréé les ateliers depuis le travail entièrement à la main, façonné avec des outils, jusqu'au travail machine. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est pas un musée comme on voit à l'heure actuelle dans tous les musées. C'est un musée où nous sommes trois guides qui expliquons comment étaient façonnées ces semelles de bois, où et avec quels outils. Voilà. Notre travail à nous, c'est de vous accueillir par groupe, parce que ce qui nous intéresse, c'est des groupes, parce qu'on a des moyens à vivre. Donc, nous étions une équipe de six oiseaux complètement déjantés qui avaient monté un truc sans s'occuper de rien ni de personne et en faisant appel à personne. Donc, si vous voulez, l'avantage, c'est qu'on a monté un truc en 1h30, 20 km de dispersion dans la France et récupéré énormément de semelles de bois, de machines, d'outils. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie, c'est messieurs. Bravo. Val-de-Virieux est une belle commune et je suis avec le maire Michel Morel. Bonjour Michel. Bonjour. Et toute l'équipe des Galochiers. Voilà. Donc allez, alors expliquez-nous qu'est-ce qui est arrivé ce matin. Eh bien, ce qui est arrivé ce matin, c'est que nous avons reçu le trophée des territoires. On va le montrer, hein, trophée des territoires 2022. Voilà. Pour de la création du musée de la Galoche, qui est unique en France. Voilà, nous avons profité de ce bon moment Alors on a à la Tour Eiffel. Donc c'est vraiment une... on se retrouve donc... on va regarder. Le trophée des territoires 2022, commune de Val-de-Virieux, représenté par son maire Michel Morel et toute l'équipe, les Galochiers. Hé, les Galochiers, Ils sont où, là? Ils sont où, les Galochiers, là? Ils sont là. Allez, venez là. Alors, on va quand même avoir une petite pensée à Louis aussi. Et puis, moi, ce que je voudrais, c'est dédier ce trophée aussi à toute l'équipe des bénévoles et surtout à Louis qui a été l'artisan donc, de la création du musée et de cette belle aventure qui a commencé en 2019 et aujourd'hui en 2022. Et ben voilà, on est sur le, sur le toit de Notre-Dame. Là, Regardez un peu le lieu où on se retrouve, mais alors c'est vraiment magnifique. C'est vraiment une belle distinction pour les Galochiers et puis la mairie de Val-de-Virieux. Voilà, nous sommes très contents. Même si les conditions météo sont pas là, sont pas excellentes aujourd'hui. Nous avons le cœur rempli de soleil et de bonheur. Ah, exactement. Ben, sacré souvenir. Voilà, merci à vous. C'était vraiment une belle surprise. Et puis on en a vraiment profité, on a vraiment vu. C'est un joli trophée, trophée des territoires. Ça m'a vraiment fait voir. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci et à bientôt au musée. À bientôt. Rendez-vous au musée. Rendez-vous au musée. Radiographie. Olha!